Aujourd'hui, on va parler de qui? Eh bien, on va parler de quelqu'un qui est assez intéressant qu'on aime en électrostatique. Eh bien, cette personne qu'on aime en électrostatique dans les milieux s'appelle tout simplement le vecteur déplacement électrique. Pourquoi on aime et on adore ce vecteur déplacement électrique? Eh bien, tout simplement. À cause de la chose suivante qu'on va voir. Eh bien, on va commencer par donner la forme locale. La forme locale de qui? Eh bien, du théorème de Gauss appliqué au champ E, qui est tout simplement le champ macroscopique. Donc, on a la divergence de E. Donc, ça, on a vu ça précédemment, hein? Donc, c'est ρ libre plus ρ P de polarisation sur epsilon 0. Alors, qu'est-ce qu'on a vu avant? On a vu que pour ce qui concerne ce ρ de polarisation, ρ de polarisation, c'est moins la divergence de P, à savoir le vecteur polarisation. Donc on peut écrire que ça, c'est ρ libre, hein, moins la divergence de P, divisé par epsilon 0. Donc ici, je vais prendre ce epsilon 0, je vais le mettre là. Donc on peut faire entrer cette constante à la divergence, à l'intérieur de la divergence, du fait que l'opérateur divergence est un opérateur linéaire. Il est très très gentil. Le moins divergence, je vais la mettre là. Le fait qu'il est linéaire, donc on peut faire ça et on va dire que ça est égal roue libre. Donc là, on est en présence. On ne voit que roue libre de ce côté-là, et ici on a la divergence. Eh bien, il serait tentant de définir un nouveau vecteur qui est égal à epsilon 0 e plus p, le vecteur polarisation. Ce vecteur, on va l'appeler tout simplement le vecteur déplacement électrique. Pourquoi on l'adore? Eh bien, tout simplement parce qu'il ne tient compte que des charges libres. On s'en fout des charges de polarisation complète. Donc je vais écrire cette petite phrase, à savoir, eh bien, il serait tentant d'introduire un nouveau vecteur qui ne tient compte que des charges libres. Quand je dis qu'il ne tient compte que des charges libres, c'est-à-dire qu'il ne tient pas compte des charges de polarisation. Mais ce qui est important avec le fait, bon, ce qui est important, en disant que, mais qu'est-ce que je dis? Puisqu'il ne tient compte que des charges libres, il ne va pas tenir des charges de polarisation. Et les charges de polarisation, il existe dans un milieu. Donc, il est indépendant du milieu et pas du milieu. Donc, ce vecteur T qu'on va appeler, il est indépendant du milieu, hein? Donc, je vais écrire ici et pas du milieu. Alors, on va écrire une chose assez intéressante. Donc, je cherche le feutre. Hein. Donc, je suis toujours en train de chercher ce feutre. Où est le feutre? Où est le feutre? Le feutre, il n'est plus là, mais il est juste là. Donc, soit, hein, soit. D égale à epsilon 0 E plus Eh bien, vous avez le vecteur D. OK? Vous avez ici forme locale. Donc ici le théorème de Gauss, hein,
théorème de Gauss. Et ici, forme intégrale. La forme locale, c'est div d égale à roue libre, hein, à roue libre. Et div, et ici, ben, qu'est-ce que je dis? Forme intégrale, double intégrale, surface fermée ds est égale à q libre. Bon, j'espère que tout cela est bien clair.